Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir la deuxième Pokébox de la petite série que j'ai commencé la semaine dernière. Donc cette fois-ci, ce sera la box Necrozma. Donc la base de la box reste la même pour toute la série et c'est le couvercle qui change. Donc du coup, celui-ci, il est tout violet. Hop. Le papier qui vient avec. Voilà, donc Marchado qu'on a déjà fait la semaine dernière. Necrozma donc aujourd'hui. Et oh, bon, bah, on va pas spoiler, mais ce sera pour la semaine prochaine. Hop, allez, donc on est parti pour l'ouverture de la box avec la carte promo de Necrozma GX. Elle est pas mal. J'aime pas trop ce type de Pokémon, mais celle-ci, elle est pas mal. Toc. Hop. Le petit code qui va avec. Alors juste pour information, je précise que les codes que je donne en vidéo, je ne les utilise pas. Donc s'ils sont déjà utilisés, alors peut-être que quelqu'un est passé avant, ou peut-être qu'après il y a des bugs au niveau de l'édition des codes. En tout cas, tous ceux que je donne, je ne les prends pas pour moi. Du coup, donc 4 boosters, un soleil et lune et 3 ombres ardentes. Bon, c'est la série de box qui a dû sortir pour ombres ardentes. On va commencer. Par le soleil et lune, fait la fin, fait l'inferno. Et ben en espérant qu'on continue sur la même lancée que le tripack de mardi. Allez, hop, hop, donc voilà. 4 et 2. Toc. Allez, on est parti. Premier booster de cette Pokébox. Hop, Aragdo, Caninos. Crabagar, Vorastéri, hop, oula, le spoil qui tombe bien quand même, Nodulite, Énergie O, Spinda, Lily, Ponchien, encore Caninos mais en reverse, et puis bon bah du coup, pas beaucoup de suspense, Arkeduc, Angéix, bon bah ça commence plutôt bien. Magnifique. En plus, je ne l'avais pas, celle-ci, c'est très bien. Toc, allez. Ombre ardente, Marchado, on est parti. Hop. Allez, pourvu que ça continue. Encore un petit peu de chance. On est bien lancé. Hop, 4 et 2. Allez, on y va. On essaie de pas spoiler. Marill. Hoot-Hoot, Rhinocorn, Tarsal, Sac de nœud, Énergie Fée, Reptincelle, allez, merci le camion, Scobolide, Culbutoke, en reverse, Darkrai, et ensuite, oh la vache, je crois que je vais aller jouer au loto après, oh punaise, Bande au choix en Secret Gold. Oh la vache! Eh ben dis donc! Eh bébé, dis donc! Quelle box, mais quelle box! Allez, troisième booster. Bon, je vais encore dire pourvu que ça continue, mais enfin bon, au bout d'un moment, peut-être pas abuser non plus. Allez, le booster, oh oh! C'est parti! 4 et 2. Oh, rayon! Une Gold et une GX. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, Sonistrel. Araquois. Sac de nœuds. Rhinocorne. Riolu. Énergie Métal. Rubombelle. Kirlia. Alixia. Sepiatop Reverse. Et Brutapod. Bon, bah, qui est quand même. Ah non, elle n'est pas quand même holographique. J'ai cru avec la petite tache bleue, mais non. Allez, dernier booster. Bon, bah déjà, c'est quand même une super ouverture encore. C'est bien, ça complète des pages qui n'existent même pas dans mes classeurs. C'est formidable. Et deux. Il est plus épais que les autres, celui-là, c'est bizarre. Alors, toc, on se pousse. Voilà. Allez, Skelenox, Psytigris, Spododo,
Porygon, Salamèche, Energy Force, Solarock, Corps de sortie, Ortide, voilà, Marill en reverse, et derrière très passable en holographique. Et ben, ça aurait été une superbe box. Hein. Oh là 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 là. Alors déjà, la trépassable holographique, après il y a l'archiduc GX, Necrozma GX, et puis pour finir, bah forcément, l'imborde au choix en gold. Et voilà, c'est rare quand j'ai les mains aussi prises que ça pour la fin de la vidéo. Ah, bah sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, allez à plus!